Une question de Marine. Y a-t-il un intérêt du couvert sur le salissement dans le cas où le semis de la culture suivante n'est pas réalisé en semis direct? Oui, à plusieurs niveaux. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas le temps de détailler à travers ce type de rencontre, et je m'en excuse. En fait, sous un couvert, lorsque vous développez une bonne activité biologique, eh bien vous avez en fait une grosse prédation qui va se faire par les carabes, par les limaces et tout un tas d'individus qui sont bien protégés dans le fond du couvert, mais qui sont à la surface du sol. Et toute cette activité à la surface du sol va éliminer des quantités assez importantes d'adventices ou de graines d'adventices. À l'INRA de Dijon, des mesures ont été faites où ils ont mesuré jusqu'à entre 1000 et 4000 graines d'adventices consommées par mètre carré par jour par l'ensemble de cette activité biologique. Donc vous imaginez bien que dans ces cas-là, un couvert est beaucoup plus performant dans la limitation du risque salissement global que n'importe quel travail du sol, notamment du travail que l'on a pu faire cet été. Bien entendu, à partir du moment où vous retravaillez le sol à la sortie du couvert, vous risquez de relancer une germination, même si elle est minimisée, que le stock grainier a été réduit. Il y a toujours une quantité de graines qui est là pour repartir dès qu'on ouvre le sol. Ce sera beaucoup moins, mais il y aura toujours un risque.